Salut les franchises et bienvenue dans ce nouveau live. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi. Mais je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je suis avec Simon. Simon, euh, content d'être ici. Au programme ce soir, on a oui. dit actu NBA et euh, après on va parler de la NBA trade line, des trades qui ont déjà eu lieu, donc surtout suite Chimura. et après de tous les euh, oui de tous les, 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 les trades qui pourraient y avoir. Et on, on verra avec toi, on, ira, on essaiera d'aller voir dans les top 4, top 5 des conférences, voir quels trades pourraient changer un peu le visage de, de ces équipes mmh. euh, et leur permettre de faire un, un gros push en, en vue des, des playoffs. Voilà. Avec nous, on a Bastien, on a Gilles qui sont là. Hop, des petits cœurs dans le chat pour Gilles et pour... Yes. Et pour Bastien, euh, vous avez vu, j'ai mis un mur de... de, de, de toutes les emotes vont, vont apparaître. Si vous mettez des emotes, elles vont apparaître sur le, sur le chat. Euh, Simon, Actu, NBA, on va commencer par juste une petite actu qui est tombée là juste avant le live. Euh, Je ne sais pas si tu as vu pour le All-Star Game, les équipes seront choisies juste avant le match par les capitaines. Euh, donc ça va vraiment être en mode pick-up game euh, euh, à l'ancienne. Euh, Qu'est-ce que tu en penses bonne, ouais. bonne idée, mauvaise idée Qu'est-ce que tu en penses J'aime bien l'idée parce que je trouve que... Alors, en fait, c'est vrai que j'aimais bien la... C'était pas mal la, la soirée quand même, euh, tu vois, où euh, ils choisissaient leurs équipes et puis tu avais le temps un peu... Je pense peut-être le, le souci, ce serait que... Tu vois, genre... Euh, J'aime bien l'idée où tu as le temps de, de faire l'idée de l'équipe et de te dire ok, il va y avoir telle équipe, ça va jouer comme ça et tout. Là, du coup, euh, tu n'auras pas le temps parce que ça va être juste avant. Mais en même temps, je trouvais ça un peu dommage que ça se fasse, euh, tu sais, à distance. Alors, c'est sûr qu'il y a eu l'histoire du Covid et tout, mais ça se faisait à distance. Et ouais. je trouve ça bien de le faire euh, en direct, comme ça, tu vois, vraiment les yeux dans les yeux, tu choisis ton équipe. Euh, as, du coup, tu auras les joueurs qui vont réagir en direct. Donc, ça, ça va être peut-être intéressant, tu vois. Ouais. voir les affinités, euh, peut-être certains qui vont euh, euh, peut-être être moins euh, libres que quand c'est à distance, euh, tu sais où, où tu vois pas la, la réaction des, des, des gars en face. Donc ça, 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 ça va peut -être, être intéressant, ça va peut -être, être pas mal. Ouais, moi, ouais, tu euh, s'il si y a des petits coups de somme pendant le pendant la prise des gars, tu vois le ouais. dernier là qui va être debout et qui va être pris en dernier, euh, ça peut être assez drôle, tu vois. Je trouve ça, je trouve ça pas mal. Ça, pas mal. Ouais, et puis les petites affinités. On sait qu'il y, y, y a certains joueurs qui, euh, qui s'apprécient, euh, ouais. plus ou moins. Donc, voir un peu les gars euh, qui va sélectionner qui. Les gars dire Ok, euh, mon poteau m'a pas sélectionné. Euh, ok, d'accord, tu vois, un peu le comme tu dis, ouais, le, le, voir le seum un peu. Ouais, ça peut être sympa. Dites-nous dans le chat euh, si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas de le fait de prendre les joueurs euh, juste avant le. le... Le game ou si vous préfériez quand il y avait la petite émission euh, sur, euh, sur TNT ou sur ESPN, je ne sais pas où c'était diffusé, où les deux capitaines prenaient un par un, un, un par un les gars. Euh, Dites-nous dans le chat. C'est vrai que par contre, je suis, je suis étonné quand même qu'ils euh, qu ne le, qu le garde pas. Parce que je pense que au niveau médiatique iSpn au niveau euh, audience euh, et puis euh, euh, au niveau enfin ouais revenu euh, je trouve ça je suis assez surpris qu'il qu le supprime du coup ouais c'est vrai que pour euh, ESPN, ça faisait un truc en plus euh, ouais. euh, à diffuser hein mais euh, puis, mais bon typique d'audience je pense euh, ouais c'est ouais, assez étonnant ouais c'est un peu c'est un peu bizarre mais euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ouais je vois je vois Gilles qui dit, oh, moi je suis nostalgique ouest-est, donc bon, euh, je suis ouais, je, et je suis, je suis plutôt d'accord, on va dire. Enfin, en tout cas, je sais pas, il y a, y a un côté euh, où j'aimerais bien un retour un peu classique aussi. Mais, euh, mais je suis d'accord que ouais, moi, ça, dans, dans la façon de faire, névio... je, je trouve ça, je trouve ça le, 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 le plus marrant. En vrai, euh, de, de, du, du contexte comme ça, ouais. c'est ce que je trouve le plus marrant. Mais euh, bon, on verra. C'est vrai que j'aime bien. Je, Actu NBA. On va regarder un peu les résultats euh, d'hier et voir si euh, ça nous, il y, y a des, choses qui, ça nous inspire. Hop, je vais aller ouais. dans les matchs d'hier. Clac, clac, clac. Ok, on a tout là. Yes. Euh, premier match, les Bulls qui perdent contre les Pacers. Euh, les, les Pacers qui qui font des qui continuent à, à se maintenir on va dire en l'absence de Tyrese Haliburton et ça c'est déjà pas mal avec un gros Bénédicte Mathurin euh, qui met 26 mm -hmm. points hier et qui met euh, le point de on va dire qui, qui fait la différence à 110 partout il met les deux points qui font la diff euh, les Bulls euh, les Bulls euh, inego et puis moi j'ai trouvé sur le dans le dernier carton je me suis fait que le dernier carton mais j'ai trouvé que défensivement euh, c'était très léger côté côté bulls ça manquait de euh, sur les dernier truc sur les derniers euh, les, les, les dernières possessions ça manquait de de de, 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 de force euh, je sais pas ce que tu en penses déception les bulls hein, c'était un peu toi ton ton touriste de la de la saison euh, ça reste ça reste un peu déception Ouais, un peu dans cette. Euh, alors c'est un, un match étonnant parce que euh, pour moi c'est deux équipes qui euh, sur les derniers matchs étaient sur deux dynamiques différentes. Le, les Bulls depuis le depuis le, le, le game de, de Paris ils étaient, je crois, sur trois ou quatre victoires au moins d'affilée. Mmh. Euh, les Pacers à l'inverse ils devaient être sur trois ou quatre défaites d'affilée. Euh, en plus de ça, euh, le début de match est plutôt à l'avantage des, des Bulls. C'est carrément puis, ouais, que, au début. Euh, à la fois Mathurin et puis euh, à la fois Mathurin et puis euh, j'ai oublié le le, le le grand pivot qui les euh, qui les ramène. Ah bah C'est euh, Turner, qui, est ramène Turner de, qui devant. Ouais, donc vraiment euh, vraiment une belle euh, vraiment un, un beau match euh, assez surprenant et puis du coup euh, ouais vraiment une belle victoire euh, qui, qui remet l'épaisseur sur le sur le devant de la de la scène ou en tout cas dans le droit chemin. Donc euh, ouais toujours intéressant de, de voir ces épaisseur se progresser. Ouais, je suis d'accord. Si on regarde euh, Bastien qui dit. Oh je vais vous enlever ça. Je vois Bastien qui dit que Vucevic regarde, euh, cherche un beau contrat. Il fait un bon match hein, offensivement. Vuce. Après, on le connaît. Euh, offensivement très fort. Défensivement, ça manque de, 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 de régularité. Euh, si on regarde un peu les classements de ces deux équipes euh, dans la conférence Est, ben voilà, hein, ces deux équipes qui sont. À peu près au même niveau, il même si. Il Ouais, ouais. Il ouais, euh, y a deux victoires de plus pour les Pacers, actuellement. Mais ils sont 9e et 10e euh, devant Washington euh, et Toronto, on va dire, qui sont les deux équipes qui pourraient potentiellement les sortir du play-in. Euh, ça se bat, en tout cas. C'est clairement. Euh, il devrait y avoir une bataille entre ces quatre équipes, là les Raptors, Wizards, Bulls, Pacers. Euh, sur les quatre, il y en a deux qui feront le play-in. Euh, pas persuadé. Que ce soit les Pacers et les Bulls, tu vois. Je trouve que Washington, ouais, potentiellement... Euh... Alors, Washington, ça dépend s'ils si continuent leur, leur... leur démantelage de l'effectif, e mais... Mais voilà, en, en fonction... Euh, ça se bat pour le play-in de ce côté. Match suivant, on avait un gros hit contre Celtics. Match à couper au couteau. Euh, 98-95, victoire du hit... Avec un Bama Bayo monstrueux, euh, qui finit à 30 points, euh, 15 rebonds, donc vraiment un gros, gros match à 50% au tir. Euh, donc vraiment, il, est, il a détruit euh, les, les Celtics, qui, alors qu'il n'y avait pas Butler dans l'équipe. Les Celtics, il n'y avait pas Jalen Brown, ça perd malgré un gros match de Tatum. Euh, un beau retour des, des du hit là depuis que je j'avais dit euh, qu'est-ce qui se passe il y a deux, il y a deux semaines ou trois semaines je sais plus euh, il y a eu un beau retour de cette équipe ouais je trouve que euh, je trouve qu'ils sont ils sont dans le, dans le sens de la marche comme tu dis euh, ils, là ils font ils font vraiment une, une sacrée série puis ils arrivent à confirmer contre contre les gros c'est surtout c'est surtout ça alors effectivement ouais. Il manquait quand même du monde. Hein. Quand, tu, quand il te manque Marcus Smart et euh, Jalen Brown, bah, c'était un, ah. un peu trop. En tout cas, c'est un peu trop quand tu joues une grosse équipe. C'est suffisant quand tu joues les Wizards. Mais euh, quand tu joues une grosse équipe, c'est un peu plus compliqué. Ben Donc là, euh, là, ça a été de trop. Et je, mais je suis quand même surpris parce que je trouve que les Celtics avaient peut-être une belle match-up avec Horford, euh, avec euh, qui, pour moi, pouvait causer des problèmes à Bamado Bayo. Mais euh, force est de constater que bah, ça n'a pas suffi. Et puis, bam, il s'est régalé. Ouais, alors, Ford, il ne joue pas. De hein, toute façon, c'est Robert Williams qui, qui a énormément de ouais. minutes euh, en ce moment en centre. Euh, et, euh, et il, et... il était blessé Je ne me souviens plus. Euh, je ne sais, si, sais plus si c'est parce qu'il est blessé ou si c'est parce qu'il ne joue pas en ce moment. Euh... Non, c'est bizarre quand même. Il in... va avoir une petite blessure, Julie. je pense. Je regarde. Alors, Ford Injury, ouais, est, il, il est blessé. Il est blessé. Ouais. Euh, C'est ce que je regarde. Du coup, euh, ouais. Donc, ouais. Mais, Mais petite, ouais, même euh, blessure, Cosine... quoi. Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, euh, il manquait un peu trop de monde. Hein. Alors, Ford. Euh... Jalen Brown, Marcus Smart. Oui, ça commence à faire. sûr qu'il était un peu, il était un peu seul. Pritchard, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. J'ai vu que c'est, plus, c'est lui qui prend le tir à la fin. ouais alors il prend le tir, il prend le tir, il prend le tir parce que parce Tatum, dribble pendant 1000 ans et que bon, faut bien que quelqu'un prenne le tir à la fin. Mais bon, c'est plus Tatum qui essaye, qui est pris à deux et bon, ça décale. Euh, ouais bon, les Celtics écoutent euh, après ils sont toujours premiers de premiers du de, de la NBA premiers de leur conférence donc bon c'est pas et là ils sont sur deux défaites d'affilée mais bon sur les dix derniers matchs ils sont ouais. 8-2 donc tu vois c'est pas je m'affole pas du tout pour eux ils sont ils voguent euh, simplement ils ont trois matchs d'avance en plus sur sur Philly donc euh, qui, est, qui, est, qui est leur dauphin donc tu vois je je j'ai pas j'ai pas trop d'inquiétude pour eux pour l'instant Mmh. Match suivant, on avait les Knicks euh, contre les Cavs. Euh, Qu'est-ce que t'en penses avec un Randall qui fait un gros match, Randall qui se positionne pour que ce soit lui le All-Star euh, des Knicks. Euh, je te l'avais dit qu'il ferait une grosse, une grosse fin de mois pour, euh, pour que les gens euh, pensent à lui et pas à Jalen Bronson. Euh... Effectivement, ouais, t'as raison. Je trouve c'est moi qui qui était plutôt partant sur euh, Jalen Bronson là, euh, c'est vrai que les, les derniers matchs sont plutôt à l'avantage de de Juju pour euh, pour la l'unique place sûrement de, de All Star des des Knicks. Clairement. Euh, peut-être avec peut-être avec Derrick Rose mais ce euh, sera autre chose. <laughs> euh, Il sera plus un Knicks que ça, à, à ce moment-là. Avec le trade deadline. Euh, je... Je pense que ça, ça va être. Euh, je pense que c'était un, c'était un beau match. Euh, c'était un match hyper intéressant, un money time vraiment euh, comme on aime, un money time au Garden à couper au couteau. Euh, vraiment, en euh, plus les Knicks qui étaient dans une grande grande difficulté puisqu'ils étaient au moins sur quatre matchs, quatre euh, défaites d'affilée. Donc euh, ça fait du bien. Ah, la de, fin était de très sérieuse, ouais. c'était chaud. Ça faisait du bien de réenclencher la machine. Euh, compliqué, compliqué pour, euh, compliqué pour, pour, pour les Cavs et puis avec ce, cette dernière action très floue de de Donovan Mitchell qui va un peu s'empiétrer sur la sur la défense ah oui. qui oui, ressort. Oui. Puis pour Evan Mobley compliqué aussi. Euh, Mobley, compliqué compliqué, oui. en Mobley qui pas, ça, se euh... précipite peut-être un peu parce qu'il y avait encore euh, quelques secondes. Mais si tu regardes quand il y a le retour, il reste trois secondes, ouais. il la shoot tout de suite alors qu'il peut. Euh... Alors qui peut, tu vois, essayer mettre un deux points peut-être plus facile en trois secondes. Mais... Oui, après je pense que c'est compliqué parce que euh, je pense que lui il se dit que Donovan Mitchell il y va. Après il perd la balle, il finit par la récupérer, il la, ah oui, il la, il, il la récupère un peu casse-croûte dans les mains, je pense qu'il n'a pas le temps de regarder combien de temps il reste. Ouais, oui, oui, je pense tourner, que il, shoot, il, fait, euh, il fait comme il peut. Il n'a hein, pas le, le chrono dans, les, dans la tête quoi, donc euh, je pense qu'il se précipite forcément parce qu'il sait pas... Il se dit, il faut shooter euh, absolument. On sait pas combien de temps il reste. Je shoot, et puis, euh, et puis heureusement pour les Knicks, euh, ça passe. Mais c'était chaud. Euh, je sais pas si tu as vu la dernière action. Toi, tu si tu l'as vu, tu mets faute ou pas sur euh, Donovan, est compliqué sur ces dernières actions là. Sur une action classique, je te dirais euh, oui. Sur la dernière action, je te dis non, parce que sinon euh, tout le monde ferait ça à la fin à s'empaler comme un gros porc dans la, dans la raquette, tu vois. Donc, euh, donc... Je comprends que okay. ce soit pas sifflé. Tu vois, je comprends que ce soit pas sifflé. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Euh... Ouais, après, si on regarde un peu les, les plus-minus, euh, tout le 5 majeur d'Enix de, de, est euh, en négatif. Hein, c'est le, le banc qui, a, qui est en positif, surtout. Euh, ça, j'ai regardé un peu le match. Et c'est vrai kobe Topin, j'ai bien aimé. Il a, fait, il a mis des points importants. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Ouais, et puis il, je trouve que par rapport à Bronson et, et, et Randall qui ont et même Barrett qui ont tendance à beaucoup porter la balle et du coup à, à ralentir et un peu avoir un, un, un jeu euh, très sur le 1 contre 1. Ouais. Euh, euh, avec obi topin quand ça rentre, même avec Artenstein, il y, y, y a beaucoup plus de et puis avec les les les, les Quickley qui met beaucoup plus de tempo, oui, donc il y a beaucoup plus aussi, de fluidité, hein. ça se passe la balle. C'est beaucoup plus fluide, ça, ça va beaucoup plus de l'avant. Donc forcément, ça crée des shoots ouverts. Alors après, ils n'ont pas le talent de, de Randall. Je trouve qu'à regarder, c'est plus, plus joli. Ouais. Euh, D'accord avec toi là-dessus. un match après, c'était Denver contre les Pels. Denver qui gagne 99 à 98. Encore un match serré, même si en fait... Euh, donc ça j'ai regardé le match euh, les, En fait les Denver avaient vachement d'avance tout le match Avec un Jokic et un Jamal Murray qui ont découpé un peu euh, ses pelles tout le match Et à la fin on a Alvarado qui a pris feu qui a pris Faya et qui a ramené l'équipe et finalement défaite, euh, défaite euh, sur, un, sur un petit hook euh, de, de, de Jokic qui fait passer devant. Le, qui fait passer devant. Euh, bah, Makouloum est un peu tout seul hein, en ce moment, euh, côté, côté, euh, côté euh, Pels. Heureusement pour eux, euh, c'est la news là qui est tombée il y a 2-3 heures. Il y a Ingram qui revient normalement ce soir. Enfin, okay. enfin après deux mois d'absence, euh, il revient ce soir, ça risque de leur faire du bien. Euh, parce que bon, si on regarde un peu les... Le classement de Conférence Ouest, ils avaient quand même bien glissé, hein, il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, ils, étaient, ils devaient être dans le premier ou quelque chose comme ça. Et on regarde sur les dix derniers matchs, ils sont en 2-8 et ils sont sur cinq défaites d'affilée. Donc les Pels, euh, depuis la, la blessure de Zion, en vrai, hein, clairement, bah ça, ça c'est un peu plus compliqué et ça va leur faire du bien le retour d'Ingram. Qu'est-ce que tu penses oui, c'est sûr. Euh, ils ont euh, de toute façon, on sait, il hein, y, a, y a des bons joueurs, mais il y a besoin de, euh, de leaders, je pense. De leaders euh, à la fois au scoring et puis plus dans la régularité. Alors les mecs, comme, comme dis, il hein, y a des bons joueurs. Il y a des mecs comme Alvarado qui vont, qui vont prendre feu parfois. Parfois, ça va être. Euh, et là, ils ont besoin de, de régularité. Ils ont besoin d'un mec qui va, où il va t'assurer 20 points par match. Et les autres après qui vont être plus en dents Donc effectivement, ça peut que être une bonne nouvelle pour eux. Ouais, ouais tout à fait d'accord. J'ai hâte de voir comment il va revenir, Ingram aussi. Euh, voir s'il est en forme ou pas. Euh, ça, c'est la grande question. Le match après ouais, C'est sûr. Des... McCollum, il, a... il a combien sur, la... sur le match là Il fait 20 points, 4 rebonds, 4 assists. Après, c'est un match, toujours une legate, okay. c'est des matchs un peu plus euh, lents, on va dire. Euh, après ouais, au shoot il est pas il est pas dans une euh, dans un soir ouais. de fou hein, parce qu'il a 0 sur 8 à 3 points donc euh, ah, clairement c'est ce euh, lui qui prend le, le... lui qui prend le dernier tir ouais, j'ai pas compris ce dernier tir je... par contre hein. Pour, un peu pourri hein, qui tir prend à 3 le... points comme ouais, ça je... euh, alors qu'un ah, deux suffit il a 0 sur 8 il... enfin il a 0 sur 7 à ce moment là euh, tu lui donnes la tu donnes la gonfle vas-y mon gras envoie un huit 8e... un huitième shoot euh... Il ouais, puis surtout qu'un quand, quand shoot à deux points suffit en plus. Ouais. As un point à deux, deux suffit. Euh, euh, à deux points, il a pas été mauvais en, en, dans, en pénétration. Donc, tu vois, euh, ouais. j'aurais pu se tenter un, un système pour une pénétration, mais ils ont fait un shoot trois euh, Même Alvarado, qui, avec surprise, mais énormément de points euh, dans la peinture, on sait que c'est plutôt un gars qui a tendance ouais, il à... Pénètre il a pénétré fort. Que, de, par sa, de par sa taille, c'est compliqué. Parce qu'il se fait souvent, euh, souvent contrer, en tout cas euh, dissuader par les, par les grands intérieurs que, que peuvent, euh, euh, qui regorgent dans la ligue. Donc là, honnêtement, euh, je trouve que les, franchement, quand, quand tu vois les, les pénétrations, les petits flotteurs qu'il met à la triangle et tout, euh, très, très fort. Vraiment, euh, il progresse, je trouve, pour un gars qui, qui s'est installé dans la ligue un peu comme pas euh, il s'est installé à. Euh, D'abord sur de la défense, sur de l'énergie, et là il commence offensivement à apporter, à, à aussi développer. Il a commencé par uniquement du maintenant il, il pètre, il, il apporte de la diversité de son jeu. Il commence à s'installer euh, très confortablement dans cette équipe. Ouais, je suis d'accord, non, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien pour 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 cette équipe de la Nouvelle-Orléans. Mmh. Euh, les matchs d'après. On avait, on avait, on avait. Attends, hop, que j'y retourne, que j'y retourne. Euh, les Wizards contre les Mavs. Là aussi, une fin de match euh, chaud, chaud, chaud. Euh, 127, 126 pour les Wizards. Avec un Kyle Kuzma qui a mis 30 puntos. Euh, bon, avec un, un horrible 2 sur 10 à 3 points, mais euh, qui met quand même 30 points. Euh, qui. qui... Je, je, je me disais qui, euh, suite au trade dont on parlera après, avait envie peut-être de montrer euh, que voilà, euh, le patron, euh, c'est lui. Donc, euh, donc voilà, oui. il, 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 met ses, il met ses 30 points. À côté, t'as un Bradley Bill qui en met 22. Euh, pas trop mal. Euh, même si euh, dans le Money Time, il fait 2-3 petites boulettes euh, dans le petit turnover un peu chaud. Et en face, bon, bah, on a. On a comme d'habitude le Luca Doncic show avec 41 points, 15 rebonds, 6 passes. Dean Widdy qui, qui a pris les rênes de l'équipe dans le quatrième quart. Et donc, je voulais en parler avec toi. Euh, euh, dans le quatrième quart, Doncic a été cramé, cramax sa race. Euh, toutes les actions. Alors, je crois qu'il met 4 points ou quelque chose comme ça. C'est les Wizards qui gagnent. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on on est déjà en train de voir un peu. Euh, ce qu'on avait prédit sur le, le Doncic-Dépendance. Les limites de, de son physique. On sait que c'est un talent extraordinaire. C'est sûrement un des meilleurs talents de la Ligue. Mais on sait aussi que c'est un joueur qui, physiquement, n'est pas au niveau d'un Lebron, d'un Gannis, d'un Tatoum. Et, et malheureusement, quand tu... Quand tu tires beaucoup sur des mecs comme ça et, et je 37, hein. 37 minutes minutes quand tu as une dépendance à, à ce point là ouais mais dans sitch, on sait que le physique c'est pas et on le voit hein, quand tu le vois c'est pas c'est pas un goal gold, gold hein, c'est comme euh, tu vois des des, des yukich, euh, au bout d'un bout d'un moment ça peut être ça peut être un peu plus compliqué ouais, puis surtout plus... quand tu touches tu fais toutes les actions c'est toi qui remonte la balle c'est toi qui qui réfléchit, euh, qui cherche des solutions, qui, euh, qui oriente le jeu, qui prend des step back, qui va au rebond. Il faut en faire. Hein, Et euh, puis il va plus falloir plus... qu'on parle un peu de John Kidd qui fait tourner son équipe à 8 joueurs euh, en plein milieu de la saison. Euh, ça aussi, tu vois, je ne suis pas persuadé euh, que ce soit super. Ok, hein, sur le banc, il n'a il a pas non plus des, 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 des grandes stars, mais je pense que tu peux faire tourner un peu plus. Euh, pas faire jouer 37 minutes à, à Doncic pour qu'il soit kramax et, euh, et, euh, et avoir un meilleur euh, avoir un meilleur rendement sur la fin du match quoi voilà je pense que c'est possible bah, c'est pas c'est pas moi qui vais lui, lui jeter la pierre hein, puisque tododo a décidé de tourner à 8 aussi donc, oui, oui euh, clairement au moins au moins deux mois euh, depuis que qu'on qu est sur des séries de, de victoires on va dire euh, mais euh, en tout cas en tout cas, ouais, au moins, tu vois, bah, typiquement sur la dernière action euh, où il fait faute, on va, on va y revenir, je pense, mais sur la dernière action où il fait faute, s'il y a temps mort et si tu peux faire entrer un Franklinikina, tu vois, pour le qui lui a été benché tout le match, peut-être pas dégueu. Bah tu vois, ouais, exactement, à chaque fois, tu le fais sortir sur la partie défensive, sur la fin, et, euh, et alors sur la fin, il pousse, il pousse Kuzma. Euh, clairement tu sens que c'est parce qu'il a plus les cannes de faire de faire du du, du pas chassé hein Donc il le pousse un peu ah, à l'extérieur. Bah oui. La faute elle est pas énorme non plus mais mais Kouzme, il la joue bien. Ah mais tu tu connais euh, quand tu quand es sur le côté là quand tu vois que oui. il frôle la ligne, le petit coup la vite de, discrètement là pour essayer de le faire sortir. Bien ah, sûr. Bien sûr euh, tout le monde le, tout le monde enfin même moi j'aurais été le premier à le faire mais mais je ne suis pas en NBA. Donc <rire> euh... <rire> Et, et oui, c'est la fatigue qui lui fait, euh, Voilà, il voit que sa défense ne suffit pas à le faire sortir de, de, la, de, de la zone. Il, il met un petit coup pour pour accélérer, pour accélérer, pour accélérer accentuer cela. Et, et c'est vu par, par l'arbitre, malheureusement. Ouais. Et euh, donc, c'est défaites, Je t'ai juste mis le classement là pour voir que Dallas, ils sont sur, une, sur un 3-7 sur les dix derniers matchs. Avec deux défaites d'affilée. Euh, ils sont sixième à égalité euh, avec euh, les Suns, euh, dont on parlera juste après, parce qu'ils ont joué hier, euh, en 25-24. Donc voilà, ils, ils, ils marquent un peu le pas sur le mois d'avant où ils avaient été, euh, ils avaient été euh, très très forts et ils avaient euh, fait une belle remontée. Mais Ils marquent un peu le pas. Euh, et, euh, et voilà. On s'en fout des Suns. C'est pas joli ce que tu dis Simon. Parce qu'on va en parler juste après. Ils ont joué. Et ils n'ont pas fait que jouer. Ils ont gagné. Les Suns. Hop. Je sais bien. Ils sont là, nos amis les Suns. 128-87 contre, on va dire, une, si ce n'est la pire équipe de la ligue. Nos amis les Hornets. Euh, bon. Les Suns qui ont euh, le, eu le retour de Cam Johnson et ça fait énormément de bien cette équipe Chris Paul Michael Bridges euh, Ayton qui n'était pas là tout blessé Booker toujours pas là blessé mais ça gagne quand même ça gagne euh, ça gagne pas mal sur ses derniers matchs et, euh, et clairement euh, moi je trouve que c'est vraiment grâce à Cam Johnson qui est en fait dans les, euh, dans les systèmes de, de Monty Williams euh, qui est un peu alors Monty Williams il fait souvent des systèmes où il y a deux ou trois possibilités au cours du système de tirer euh, tu vois et euh, ça manquait d'un gars qui prenait les shoots en fait le problème c'est qu'on arrivait au bout du système et personne n'avait pris le shoot euh, à la fin et, euh, et là euh, sur le dernier match ça se voit beaucoup bon, il met 24 points hein. euh, Cam Johnson a 6 sur 7 à 3 points donc il a, il a une crise d'adresse enfin il, a, il, a, il, il est chaud euh, et il shoot voilà. en fait au milieu des systèmes boum il y a des shoots euh, avec la défense d'Hornets en plus qui on va dire n'est pas la plus euh, attentive du monde et bah, ça a fait Clairement. beaucoup de mal à cette équipe euh, bon après euh, voilà le, le, la victoire était faite assez rapidement donc ça a quand même pas mal tourné tu vois Cam Johnson il, fait, il joue que 17 minutes euh, donc euh, voilà c'est c'est et comme disait Bastien avant bah, ça fait tourner en fait tu as tout l'effectif qui joue côté euh, côté Suns ils ont trois de leurs titulaires qui, qui sont euh, qui sont blessés enfin deux de leurs titulaires qui sont blessés euh, actuel et ça joue quand même à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait une rotation à 14. Donc tu vois, euh, et encore parce qu'il y avait de l'avance, mais même sans l'avance, tu peux être sûr qu'il y avait au moins une rotation à 12 euh, parce que Damien Lee, ça reach, ça joue, ça, joue, ça joue tout le temps euh, maintenant. Donc ils se remettent en forme, euh, prêts pour le, le dernier sprint final, j'ai l'impression. Il faudra voir le retour de Booker. Mais voilà. Euh, de l'autre côté de... pour le dernier match on avait le derby de los angeles avec un LeBron james qui met, 46, et... qui met 46 points mais qui prend un blowout euh, des clippers euh, tous les journées passent et se ressemblent côté euh, los angeles lakers avec... et euh, je sais pas ce que tu as, as à en dire mais, euh... ouais les, les... Bon, après c'était compliqué parce que les, les clippers sont en tout cas au moins sur la première mi-temps, vraiment eu une crise d'adresse, surtout externe. Ouais. Euh, alors, bon, la question, euh, la question euh, derrière, c'est est-ce qu'ils ont eu une crise d'adresse euh, de ça leur fait. côté, ou est-ce que ça a été défendu par des poussins départementaux c'est une question à se poser. Euh, maintenant, ils, ils les ont mis. Hein. Il y a beaucoup de, 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 de franchises où il y, tirs, il y a des tirs externes, ça rentre pas. Ouais. Donc, ils les ont mis. Euh, ça, ça a cliqué. Alors, en plus, euh, tout le monde est revenu. Euh, donc, il y avait, avait Kawhi, il, euh, il y avait Paul George. Tout le monde a mis dedans. On sait qu'ils euh, ont des, 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 des patrons aussi pour, pour, pour bosser défensivement. Franchement, c'est pas, pas la meilleure match-up pour, pour, les, pour les Lakers. Et ils ont eu une énorme chance d'avoir un Lebron en, en, mode, en mode MVP pour, pour les maintenir dans, dans la partie. Ouais, Lebron qui a trois points et euh, fantastique. Il a 9 sur 14. Il a 16 sur 29 en tout au tir total. Donc au niveau du tir, il était incroyable. Mais tu parlais de la défense des Lakers. Euh, vite, il faut qu'Anthony Davis revienne parce que là c'est très 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 compliqué. Euh, tu as un Pat Beverley qui euh, défensivement n'est pas d'une efficacité folle, fait beaucoup de choses mais pas d'une efficacité folle. Dennis Schroeder, euh, j'en parle pas. Lebron qui est plus capable de défendre. Voilà, je pense qu'il faut, ouais. faut mettre des défenseurs à côté de lui, le planquer en défense. Bon, c'est déjà ce qu'il fait. Hein. J'ai regardé tout le match, il a défendu sur Nicolas Batum, hein, clairement. Il se foutait sur Batum et puis il bougeait pas. Euh... Euh, ou alors sur euh, Terence Mann et, euh, et il, il flottait de fou mais euh... après euh, Batum a défendu sur lui aussi donc c'était ça c'était la match-up des à côté oui oui mais bon à une époque Lebron ça défendait un joueur euh, important en face quoi Batum ouais. il défend le meilleur attaquant alors que quand il défend quand il défend Lebron alors que Lebron défend le gars qui fait que du catch and shoot tu sais qu'il va pas driver ouais. tu sais qu'il va pas te fatiguer et donc ça te permet mais c'est ce que doit faire les Lakers en fait les Lakers maintenant ils doivent se servir de l'Ebron comme, on est, comme un attaquant ultime, ce qu'il est, mm. euh, et un mec que tu planques en défense. Le problème, c'est quand tu, ploques, tu, tu planques en défense et qu'en face, bah, les gars se font ouvrir la gueule. Alors, on est d'accord, en face, c'est les Clippers. Euh, quand tu dois défendre Kawhi, Leonard et Paul George, se faire ouvrir la gueule, ça arrive. Ça arrive à pas mal de gens quand ils sont en forme. Oui et puis les, les role players, Norman Powell il a, il a mis dedans comme un ouais. cochon à, à trois points. Euh, Covington en a mis aussi. C'était compliqué, c'était très compliqué pour les Lakers hier soir. Euh, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, c'était pas... très compliqué, Ils se sont pris un gros éclat en fait. Il n'y a jamais eu match, hein. la réalité il y a toujours eu 15 points d'écart. Donc euh, voilà c'était euh, c'était comme ça. On a revu tous les matchs. Euh, on va pouvoir ouais. partir sur la trade line, sur la ouais, sur NBA trade line, euh, avec bah, le premier trade, on va dire gros trade qui a eu lieu euh, sur, ce, cette, euh, sur cette trade line, juste avant la trade line, euh, sur Rui Hachimura qui part aux Lakers. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce trade Donc, on a Rui Hachimura qui part des Washington pour les Lakers. De l'autre côté, tu as Kendrick Nunn qui part à Washington et trois second tours de draft. Quel a été ton, ton avis sur ce, sur ce trade Écoute, je crois que c'est un bon trade. Après, euh... de toute façon, on... les Lakers font partie des équipes qui doivent bouger. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de bouger euh, à la trade deadline. Malheureusement, si tu touches pas à Westbrook, bah, tu as très peu de marge de manœuvre. En fait, euh, tu n'as presque personne… À à envoyer hein, puisque euh, t as tes trois euh, énormes contrats et derrière tu as plutôt des role players euh, qui vont pas attirer énormément de monde donc forcément euh, et en plus de ça ils ont ils ont ils ont presque euh, ils ont quasiment pas de pic à, à filer donc c'est c'est très, ouais, voilà. très compliqué pour eux voilà donc c'est très compliqué pour eux je pense qu'ils ont fait sûrement le meilleur move qu'ils pouvaient faire euh, aller chercher un Chimora. je trouve que c'est euh, pour moi, euh, ils sont euh, ils sont gagnants puisque euh, ils avaient un Kendrick Nunn qui était euh, qui sur des lignes externes qui sont qui servaient rien qui était sur des lignes externes qui était euh, déjà assez euh, occupé par euh, Pat Beverley et, et, et Schroeder maintenant Schroeder des, et des, Russell Westbrook qui... en, six, en sixième homme et Westbrook ouais. ça faisait ça faisait trop de monde donc euh, un Kendrick Nunn qui bouge qui qui, qui bouge pas eux ils leur manque des ailiers paf ils font venir un Rui Hachimura qui et encore en progression, est-ce que… Euh, oui, il est en est régression pas depuis, trop est... depuis deux ans. Euh, ouais. rien on sait, ne on sait pas trop ce qui, ce qui vaut, ce qui va devenir. C'est un pari, clairement, c'est un pari. C'est un pari sur, euh, sur l'instant et puis sur, sur l'avenir, mais on ne sait pas, euh, c'est un mec euh, avec beaucoup d'inconstance euh, qui peut, euh, euh, en tout cas, qui va, qui va être sur le banc, qui peut rentrer et, et faire 0 euh, sur 8 euh, comme… Euh, comme euh, euh, comme notre, notre ami des, des, des Pels et, euh, et, et en même temps qui peut rentrer et mettre 20 points euh, en drive en catch and shoot euh, qui est grand qui peut apporter donc euh, voilà c'est un pari euh, je pense qu'il qu va avoir 10 minutes il va jouer maintenant avoir, euh, ça ne va pas révolutionner la franchise mais euh, ça peut être, ça peut être que bénéfique pour eux ouais, côté des cartes moi je trouve que c'est comme tu as dit c'est plutôt un bon, un bon move euh, mais euh, mais euh, c'est un move un peu désespéré. De enfin, bah, toute façon, on peut faire que ça. Euh, plus, pour moi, tu euh, me vois, c'est plus un 4. C'est vraiment un 4. Euh, donc défensivement, défensivement, en fait, il ne peut pas trop défendre les 3. Il est un peu trop lent euh, euh, en termes de vitesse latérale. Donc euh, ouais. ça ne ça, ça corrige pas leur défense sur les ailiers. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je pense, j'aurais préféré qu'ils trouvent un vrai 3D. Euh, après, qu'est-ce qu'il y avait de dispo, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Après, vu ce qu'ils ont envoyé, euh, fallait le faire. Parce que côté Washington, euh, c'est l'incompréhension. en tout cas de mon côté, c'est l'incompréhension totale. Euh, récupérer Kendrick Nunn pour Washington, je ne vois pas bien l'intérêt. Euh, et des seconds tours de draft, enfin, vraiment, ils ont... Ils ont, je sais pas si... En plus, ils le font tôt... Tu vois, c'est pas comme si c'était bon à la toute fin de la trade deadline. Ok, on a essayé. Personne ne veut de Ruachimura, ou Rien n'est intéressant. Bon, bah, let's go. On, on fait le trade. Là, putain, ils ont donné... Euh, J'ai l'impression qu'ils ont voulu se, se rattraper de, du trade de Wazebrook et dire, ok, on vous a un peu baisé, mais euh, on vous donne Ryachimura. <laughs> on, on a oublié, on, on vous donnait ça aussi avec. On vous donnait ça. <laughs> Euh, ouais, c'est le, le cadeau compensatoire. Euh, non, je crois que c'est euh, ils, ils, ont, ils, ils ont compris depuis quelques mois. Je, ils ont compris depuis quelques mois qui, euh, que Rui euh, c'était un flop. Euh, ils en voulaient, ils en voulaient plus. Ça c'est sûr. Ils en voulaient plus. Euh, je pense qu'ils ils ont décidé aussi de miser sur euh, Kyle Kuzma euh, Donc je pense que tu vois, euh, euh, Porzingis, Kuzma, Hachimura, ça faisait un peu trop euh, sur les mêmes, sur les mêmes ouais, postes 3-4. Je pense qu'ils ont voulu un peu. Euh, peut-être qu'il y avait. Ça a créé des tensions aussi dans le vestiaire, tu vois, on ne sait pas. Oui, peut-être. Ouais. Euh, peut-être qu'ils ont voulu un peu euh, simplifier, euh, harmoniser un peu leur, euh, leur effectif et puis finir, faire venir un Kendrick Nunn. Euh, bon, les. Les. les, euh, euh, les les, les Wizards sont, sont quand même plus euh, fournis voilà, sur les postes 3-4 que sur les postes 1-2. Donc euh, pourquoi pas? Tu, tu, tentes, tu tentes un truc, tu te débarrasses d'un mec euh, qui est plus dans tes, qui n'est plus dans tes plans, dont tu as décidé que c'était devenu un flop, et euh, tu le remplaces par un mec euh, qui peut éventuellement euh, t'apporter éventuellement, euh, 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 sur les lignes, euh, lignes arrière. Pourquoi pas? Ouais, je suis pas, pas côté Wizard, je ne suis pas hyper convaincu par ce trade. En même temps, au vu des réactions des fans des Wizards sur Twitter, personne n'est convaincu par ce trade à Washington. Hein. Mais, euh, mais à voir, en tout cas, c'est le ouais, premier ouais, trade, gros trade entre guillemets, euh, qu'il y a eu sur cette euh, NBA trade line. Euh, et j'aimerais bien avoir avec toi, euh, rumeur par rumeur, euh, les grosses équipes, on va dire et voir si euh, quels seraient les trades potentiels est-ce que tu vois des trades donc déjà première question est-ce que toi de tête comme ça t'as des trades des, as vu des rumeurs de trades ou as des trades qui te donnent envie sur sur cette euh, non j'ai pas vu des, des, des rumeurs de trades après euh, j'ai des équipes euh, euh, j'ai des équipes en tête qui moi pour moi doivent 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 bouger doivent bouger, doivent, doivent, doivent euh, apporter euh, quelque chose quelque chose en plus donc, euh, mais sinon des rumeurs de trade, j'en ai pas vu tant que ça, honnêtement. Euh, euh, Alors pour toi, qui de, qui, doit pour fois, ouais. qui doit bouger Qui doit bouger Qui devrait bouger Dans un premier temps, moi euh, euh, qui sont sortis de la rotation, il faut, faut faire des choix, il faut faut qu'il qu se passe quelque chose. Qui pardon euh, J'ai une micro. Coupe. J ai, j ai... Euh, côté côté New York. Linux. Ouais Linux, bah ouais. oui, forcément. Cam Reddish, euh, Evan Fournier, Derrick Rose, il faut, il faut que ça bouge, il faut faire quelque chose. Euh, soit tu les réintègres, soit, tu les, soit tu, tu les échanges, mais il faut faire quelque chose. Faut que Alors, ça bouge. hop, j'ai sorti la trade machine, New York. Donc, toi, Fournier, euh, Cam Reddish, et qui d'autre, tu, tu, tu voudrais, tu voudrais tu en enlever, Simon Derrick Rose. Derrick Rose, il faut qu'il bouge. Derrick Rose, Rose. Bouge, Derrick Rose. Ouais, putain, Derrick Rose, il va, il va bloquer les trucs. Evan Fournier, et quel est, quel est pour toi le poste Quel poste. Et euh, vous, devez, vous devez combler là où vous auriez des manques C'est plus. Je dirais. Peut-être un. Euh, peut un, un, poste, un poste parce que euh, Mike Bride euh, elle est bien gentille mais il défend mais bon c'est pas euh, c'est pas foufou. et puis un poste un poste 5 pour moi parce que euh, parce que Robinson il a trop tendance à il se blesse trop souvent et Jericho Sims, c'est encore un peu un peu un peu frêle ok euh, est-ce que, est que vous n'auriez pas chercher un Clint Capella à Atlanta Atlanta, c'est la merde aussi. Euh, regarde, tu prends un grand Clint Capella. Euh, qui, 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 qui Toi, tu leur refiles. Tu leur refiles qui Puisqu'Evan Fournier, ils ont rien à prendre. Bah, tu vas pas leur refiler Cam Reddish, hein? Tu vas pas leur refiler la sauce. <laughs> ça, compliqué. Finalement, ça ne nous convient pas, on vous le rend. Ah, mais désolé, ça fait plus de 30 jours. Tu peux échanger Evan Fournier Clean Clint Capella. Boom. Boum. Boum. Bon, par contre, eux, ils ont ouais, plus de. Ils mais ont... Je ne suis pas sûr que. Alors, <laughs> déjà, euh, y a... on a quand même un passif avec les Hawks euh, qui fait que je suis pas sûr qu'on qu fasse affaire avec eux. Euh, je suis pas sûr qu'ils aient envie de nous envoyer euh, de nous envoyer des joueurs, <laughs> sauf si c'est pour nous la mettre à l'envers. <laughs> mais je euh, suis sûr qu'ils aient... Ils aient très envie. Et... Et... Et Van Fournier, je pense qu'ils n'en ont rien à foutre. Ouais. Ouais, clairement, je pense qu'Evan il Fournier, ils n'en ont absolument rien à branler. Soyons honnêtes. On... À l'inverse, Evan Fournier, on en a beaucoup parlé aux Lakers. Malheureusement, euh, soit, soit ils nous mettent une douille, soit euh, ils n'ont rien à nous envoyer en échange. Côté Lakers, fais voir. Je regarde qui est aux Lakers. Non, mais tu vois, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils nous recevez... envoient Thomas Bryant, quoi. Vous recevez Klen Capela, ok Vous envoyez Evan ouais. Fournier aux Lakers, et eux envoient, euh, ils envoient, ils envoient. Euh, je regarde qu'il y a, c'est pas non plus... Euh, du slip hein. ah, Le problème c'est qu'en fait ils peuvent faire aucun trade les Lakers. Ils ont que des un million et après euh, ça n'a aucun sens euh, cette Ils ont trois ont gars qui prennent beaucoup trop de cash. Bah euh, ouais. et soit ils bougent au Westbrook soit ils, ont ils sont rien morts. À en fait. Ils peuvent rien faire. En vrai les Lakers... T Thomas Bryant euh, il prend peut-être un peu plus mais je Non, pas non sur, Thomas je sais pas Bryant il prend un million huit. Ok. Euh, compliqué, ouais, c'est vraiment compliqué. Les Lakers, c'est mort. Les Lakers, c'est mort. Euh, J'enlève ça. ça. Bon, euh, on voit que Atlanta, LA, c'est pas forcément des bons partenaires de trade pour vous. Euh, bon, on va regarder qui a besoin de quelqu'un. Comme ça, on va voir qui, euh, qui serait euh, motivé. Chicago, les tiens. Wolves. Les, les wolves, ah, tu veux mettre qui chez les Et wolves Les wolves ont besoin de, boug ont besoin de bouger. Ils sont, ils sont dans la panade, ils ont besoin de bouger. Yes. Clairement, ils ont, les... ils ont envoyé Rudy Gobert. Clairement, Rudy Gobert. Euh... Euh, Bastien, je vois que tu m'as dit... Ils euh, en veulent plus. En Messenger. Ah, je vois des traits de machine. Mais de toute façon, les traits de machine, j'ai vu des trucs hein, avec Randall, oui. Euh, j'ai vu, euh, vu euh, les, les, les Nix, Nix euh, Suns. Ça parlait aussi des... Euh, de, de trucs mais bon je vois pas du tout Nix, les Knicks bouger Randle clairement pas Fournier il a un buyout je pense que Fournier va rester Fournier il a atteint un buyout euh, j'aimerais bien pour lui j'aimerais bien pour lui oh, oh. je pense que je pense pas parce que euh, même là aux dernières nouvelles il a dit qu'il était encore qu'il avait encore envie de jouer à New York ouais, pour moi euh, mais il va moi, jouer à il, New York il, il, quand, quand, il, viendra, quand il viendra avec sa prochaine équipe, hein, c'est tout. Pour, pour moi, il est matrixé dans sa tête. Il a envie de rester à New York. Il a envie de rester ça au passera Knicks. Jamais. Je pense que s'il si, si ne si l'envoie il pas, il va, il va rester. S'il si, si ne se fait pas trader, il va rester. Mais il est fou. Ouais. Fournier, euh, Fournier, ça a joué un match sur les quoi sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur les 10 derniers matchs, ça a joué un match. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Tu vois. Donc, tu vois, tu dis Minnesota. Minnesota, ils veulent bouger. Donc, Minnesota, ils ont Rudy Gobert, tradable. Ils ont Carl Anthony Towns. Ils vont pas le trader. Ils ont Anthony Edwards. Ils vont pas le trader. Le gars qui veut le trader, c'est. Pourquoi Rudy Gobert est tradable Parce qu'ils vont pas trader Rudy Gobert. Ils ont hypothéqué toute leur. Tout le monde lui dessus. C'est faux que tout le monde le chie dessus. Dernier match, il fait un gros match. Les vols, je trouve. Je trouve que les vols sont durs avec lui. Hein. Ouais, les, ils sont durs. Hein, les fans, en tout cas, sont durs. Oui, très non, dur mais avec parce que Reddick Over, ça a toujours été le, le, la cible facile de la NBA. Point. Voilà, c'est comme ça. Hein. Au bout d'un moment, okay. c'était la, la cible facile de Charles Barkley et boum, tout le monde a repris. Moi, je, ils ne le traderont pas, c'est sûr. Ce sera un, un, un aveu d'échec fou après seulement trois mois de compète. Surtout avec un Carl Anthony Towns qui est blessé. 4. Okay. Intransférable, Anthony Edwards intransférable, donc il ouais. reste dilo à transférer, 31 millions dilo. Vous voulez dilo euh, New York Vous avez besoin de dilo Vous avez pas besoin de dilo Votre meneur titulaire vous l'avez. Donc après. Ouais, non, ça serait plus pour un, c'est plus un remplaçant. C'est pour. Ouais, mais un remplaçant à 31 mais, millions euh... à 31 millions. Alors après, fin à fin d'année, fin d'année, il... Gilles qui dit j'aimerais bien que Rudy vienne à Miami. Ils ont pas mal des Miami hein. Ils ont pas besoin de Rudy Gobert. Hein. Clairement. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne à New York, mais. Euh... Allez, on va faire du. On va faire du, 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 du. De la NBA Fantasy. Donc, vous récupérez Rudy Gobert. Vous envoyez Mitchell Robinson. Plus <laughs> besoin de Mitchell Robinson. Vous envoyez Evan Fournier. Ouais, ouais. Et ça marche Evan Fournier et Robinson. <laughs> Putain. Euh pas personnel ah, voilà. excepte ça bah, ouais. t'es euh... obligé es obligé d'attacher euh, des pics hein. euh, euh, clairement il bah, n'y a pas les il côtés pics non on leur envoie on, on leur envoie McBride, tu vois ils ont besoin de mecs qui défendent ça défend pas à, à, à Minnesota on leur envoie McBride. McBride, c'est un, un top défenseur non ils vont demander ils vont demander ils vont demander Cookley c'est sûr Bon, ils n'ont pas besoin de scoring, quoi. Qu ils défend pas, ne fait que du scoring, ils n'ont pas besoin de scoring. Oui, mais parce que parce que Dillo, ils ne vont pas le resigner. Dilo, à la fin de l'année, il est parti. Tu vois? C'est pour ça qu'ils veulent euh, quickly. Pour l'année prochaine. Mais bah, ça marche, hein. Bah, écoute, le trade marche. Hein. Et ça te fait côté côté Minnesota. Ça te fait un 5 avec euh, bah, Il garde Dilo. Donc ça fait tu mets Dilo, Evan Fournier. Euh, Evan Fournier. Anthony Edwards. Torian Prince, euh, Karl Anthony Towns, qu'est-ce qui... qui repasse en cinq et côté euh... et côté euh... côté Knicks, t'as le 5 ça fait Bronson, euh... RJ Barrett. Non, RJ Barrett, il joue trois. Ouais, je sais, mais j'essaie de. Euh, ouais, avec Quentin Grams. Ouais, Quentin Grams, RJ Barrett, Randall, Gobert. Je trouve que tu tu enfin t'as as un meilleur 5 mais, mais du coup on a, on, si on a envoyé euh, si on a, on a envoyé Quickly là ou pas du coup. Ouais bah oui, tu Quickly bah, t'es obligé hein. Ouais, mais du coup on a on, Gilles, Gilles, Gilles il dit un truc je suis d'accord avec lui, envoie ça au staff de New York ils vont signer direct hein. Si t'as juste à envoyer Quickly pour un Robinson qui joue pas toujours et Farnfonique tu fais plus jouer. Mais euh, mais je crois. Pense... Alors non, en là, plus bah, justement si... alors oh. Au lieu de Kuklly, on leur envoie Reddish aussi. <laughs> Là tu leur mets la demi de l'année. <laughs> à la à la place de Kuklly tu dis Aucun intérêt oh. quoi. Cam tu t'es vraiment le ouais non je suis pas tu penses pas. Ah, c'est un poste 2, c'est pareil hein. Ouais bah, t les deux t'envoies les deux bam ça marche. Bon après de hey, toute façon t'en fous d'avoir beaucoup de joueurs à New York vous jouez à 6. donc euh, tu t'en fous hein. <laughs> c'est pas besoin de Il <laughs> n'y a pas besoin de bancs. Il hein n'y a pas besoin de bon Bon, tout ça pour dire que compliqué de trouver, euh, de trouver des équipes de, de, de compléments pour, pour trader avec, euh, avec les Knicks. Alors après, tu peux avoir des trades à 3. J'ai qui dit, imaginez la pub de malade oui. pour l'émission. Si les deux Français sont échangés, en plus, en plus pas comme si nous, au mois de mars, quand on va à New York, on va avoir un certain Knicks Minnesota normalement. Donc euh, clairement clairement euh, voilà mais bon... des Français, ça serait bien. Bon, autre équipe qui va bouger, qui doit bouger, parce qu'ils ont un joueur qui ne joue pas, c'est Phoenix. Phoenix qui a euh, Jake Roder, qui ne joue pas. Et euh, ouais. il est, en tout cas, il y a des rumeurs euh, avec Memphis. Euh, Jake Roder qui a déjà joué à Memphis, qui s'entend très bien. Euh, il y a des rumeurs là-dessus. Mm -hmm. Alors, après, à voir si tu envoies Jake Roder à Memphis, donc c'est 10 millions. Qu'est-ce que peut envoyer Memphis Moi, clairement, dit côté Suns, je pense qu'il serait très chaud d'avoir un gars comme Brandon Clark. Clairement, claque. Si on regarde, ça ne passe pas. Le, le, je pense que le, le problème, c'est que vous, vous êtes dans une situation où, où il y a de fortes chances pour que vous soyez perdant parce que parce que Crowder veut veut plus jouer. Ah oui oui clairement Crowder, Crowder, Crowder plus le temps passe moins moins sa valeur est importante hein, clairement euh, clairement et Brandon Clark vaut alors il a un petit salaire mais il vaut euh, euh, du, du, du... Il joue quoi, donc euh, il joue, il est pas, pas, pas mauvais. Hein. On regarde son PER, il est à 20, donc euh, il est même plutôt bon. Euh, clairement, son PER. Euh, mais, euh, mais ouais, Jay Crowder ne joue pas cette saison, donc c'est très compliqué. Voilà, je kifferais qu'un. Il, ouais. il est en fin de contrat Crowder ouais ouais, ouais, ouais fin de contrat. Donc tu vois son... ouais. C'est pour, pour ça que je dis qu'ils sont obligés de bouger et qu'il va être tradé là. Au pire, ils traderont pour deux secondes tours. Ah oui, donc euh... il va être tradé entre deux tours de draft. Et est-ce ouais, voilà. qu'il irait pas euh, remplacer euh, notre ami Rui Hachimura côté, euh, côté Washington? Washington, ils ont qui à donner encore? Ouais, mais euh... Ils ont qui à brader? Vous allez? Ils ont des seconds tours. Ils ont des ah, second tours de draft à nous donner. Et, euh, ouais voilà. Je sais pas. Ouais, je clairement. Sinon, je vois pas trop euh, non, qui tu peux prendre. Hein. Mais euh, ouais, non, je pense pas que ça soit gros, gros, gros. Euh gros point côté côté, côté Sun c'est pour beaucoup tiens on va regarder le top 4 euh, pour finir là un peu slide. on va regarder le top 4 de chaque conférence et voir si une équipe doit faire pour toi un trade est-ce qu'il y a une équipe où il y a un manque les Celtics est-ce que tu penses qu'il faut un trade côté Celtics non on est d'accord pour les Celtics, moi Celtics, ça va pas bouger je suis d'accord côté nuggets est-ce qu'il faut un trade côté nuggets non je pense pas je suis, je suis toi, non, non non je suis totalement d'accord avec toi euh, les Nuggets leur but c'est de faire les playoffs avec Aaron Gordon Jamal Murray Jokic et Michael Porter Jr en forme le reste ils s'en foutent euh, Philly est-ce que Philly ça doit bouger on n'a pas beaucoup parlé de Philly euh... avec James Harden et non Ed... je vois pas un... je vois pas un gros mouvement parce que je trouve qu'ils bon, ils ont mis un peu de temps mais mais ils sont bien ils sont, bien, euh, ils sont bien lancés. Ils sont bien euh, mis sur les rails. Maintenant, il y a la question de Mighty Stable euh, qu'ils ont l'air de vouloir Exactement. essayer de relancer un peu. Est-ce que, est que ça doit bouger autour de Mighty Stable Je sais pas. Si ça doit bouger, je pense que ça jouera clairement euh, de ce côté-là. Parce que côté Tobias Harris, euh, il gagne beaucoup trop d'argent pour pouvoir être tradable. Joel Embiid, il est un tradable. James Harden, c'est pareil. PJ Tucker, je ne les vois pas du tout le trader. Anthony Melton, il fait une. Il est vachement utilisé, donc je vois pas pourquoi il serait tradé non plus. Maxi, mm. Niang, la même. Montrezarel, la même. Donc tu vois, tu as Matista Daniel House, potentiellement. Korkmaz, potentiellement. Euh, mais, euh, mais oui. oui mais qu'est-ce qu que tu vas aller chercher à la place euh... Exactement. Est-ce que tu vas vraiment chercher quelque chose qui t'apporte Ils sont dans une dynamique qui est super bonne euh, actuellement. Donc ils sont, ils sont redevenus deuxièmes de la conférence Est. J'ai du, du mal à voir où est-ce qu'il pourrait s'embêter. Qu euh, euh, les Bucks, est-ce que tu vois les Bucks faire quelque chose Non, je crois que ça fait trop longtemps qu'ils sont euh, qu sont avec le même effectif euh, quasiment. Euh, je crois qu'ils sont euh, pareils, ils euh, c'est parti du genre d'équipe. Euh, alors s'il si y a une occasion, oui, mais je, je vois pas euh, je vois pas spécifiquement des, 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 des points chez eux. Ouais, je suis d'accord aussi. En fait, il y a tellement de blessés cette saison euh, côté Bucks ouais. et de gars qui manquent que j'ai l'impression que c'est un peu comme euh, comme euh, comme Philly ou comme tu vois Boston, le but c'est euh, ou même Denver, c'est OK, on a notre équipe même s'il y a pas mal de rumeurs autour de Grayson Allen quand même. Euh, OK. Euh, j'ai vu pas mal de rumeurs mais tu vois, le but c'est d'avoir un Giannis Middleton, Jrue Lidé, Brook Lopez. Joe Ingles en forme. Il y a Bobby Portis qui vient de ouais. se blesser. Euh, qui vient de se blesser. Euh, Ligament croisé, je crois. Donc, euh, donc clairement, ça, potentiellement, ça peut forcer Milwaukee à faire un trade autour de Grayson Allen euh, pour récupérer un, on va dire un 4. Ouais, un, un 4-3 euh, euh, qui pourrait être utilisé comme Bobby Portis. Bobby Portis qui est utilisé parfois même 5. Euh, ou 4 ouais, ouais. avec Ganis euh, plus en 5. Mais euh, donc Why Not euh, Why Not avec, euh, avec les Suns, par exemple. Hein, J. Crowder, pourquoi pas euh, Après, je suis pas sûr que les Suns ont envie de, de donner des billes euh, aux Bucks mais après, tu vois, c'est un, hein, un peu toujours le, ce, cette compète-là. Brooklyn, Brooklyn qu'est-ce que tu en penses bah, les, les Suns, il vaut mieux qu'ils envoient Crowder euh, euh, à l'est euh, qu'à l'ouest. Ouais, bien envoyer, euh, sûr, bien sûr. Bien que tu le retrouves euh, les, les, les dents qui règlent le parquet euh, contre toi en, en, en finale de, de conférence euh, à l'Ouest. Hein, ouais, bien sûr. Après les Bucks, vu euh, qu'ils ont, ouais, sais pas. Brooklyn, pour moi, ils ont ils ont eu tellement de de, de drama, ils reviennent de tellement loin que ouais. je trouve ça compliqué d'aller encore euh, euh, mettre du mouvement dans cette dans cette équipe. Juste euh, essayer de trouver euh, euh, pareil une, une continuité, du calme. Euh, travailler euh, tranquillement, je trouve ça. Je, je pense pas qu'il. De toute façon, de Brooklyn, t'as trois gars intouchables Durant, Irving Simmons, ça bouge pas. Nick Laxton, ça bougera pas. Euh, ensuite, t'as Joe Harris. Joe Harris, ils peuvent essayer. Après, Joe Harris, je pense qu'il a jamais eu euh, une valeur aussi basse sur le marché que cette ouais, année. Ça. Euh, donc, c'est compliqué. Seth Curry, c'est quand même bien de le garder. Patty Mills. Euh, Patty Mills. TJ Warren. Mais bon, il vaut rien, TJ Warren, donc. Ça Peut-être à 1 million, ça peut être que le bon coup euh, avec ça son retour de blessure. Donc, tu vois, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, C'est compliqué de, de voir qui pourrait être changé, mais s'ils change quelqu'un, ce retour de Juarez. s'ils arrivent à, dans un trade à 3, tu vas peut-être récupérer quelqu'un. Euh... Crowder, ils peuvent récupérer Crowder pour prendre Ah, Crowder. Pour joué, eux, ça... la, la défense des nets qui est bien meilleure cette année, euh, Crowder, euh, Crowder pourrait leur faire vachement bien. Tu as une défense Nick Laxton, Crowder c'est pas mal après Crowder est sur le poste de Kevin Durant donc bon est-ce que tu ils peuvent jouer 3-4 oui clairement ils peuvent je suis d'accord avec toi puis ça jouerait grand putain si t'as dans ton 5 c'est Ben Simmons Kevin Durant Crowder Nick Claxton tu joues grand t'as que Kerry Ring en petit feu follet comme ça mais ouais ça peut être sympa donc à autour de Joe Harris Cleveland je vois pas ils ont fait leur gros trade mmh. en début de saison avec de Mitchell. Je ne vois pas bouger mmh. le hit. Est-ce que le hit peut bouger? Peut bouger, hein. Le euh, hit, ça peut bouger. Autour hein. de... Duncan Robinson, pour hein. moi autour de Duncan Robinson, ouais. Duncan Robinson, ça peut bouger. Ouais. Duncan Robinson, Kyle Lowry, qui est pas du tout, qui fait pas du tout une bonne saison. Moi, je pense que ça peut clairement bouger de ces deux côtés-là. Euh... Ah, why not? Hein, why not? Hein. Est-ce que, est-ce que, est-ce que on n'aurait pas le partenaire d'échange avec les Suns, un gros Duncan Robinson contre Jay Crowder, bam, why not, hein why not? Pour les Suns, euh, c'est mieux que rien, que deux tours de que, que des secondes tours de draft, et, euh, ah bah et pour, clairement. Et pour euh, et pour le hit, on connaît, un hein, Crowder, euh, il connaît bien le hit, euh, il pourrait tout à fait être, euh, il est hit. Euh, euh, ouais, Bastien qui dit non merci. <laughs> bah Le problème pour côté Suns, c'est que Duncan Robinson, c'est un peu le profil Cam Johnson. Shooter dans les ailes, un peu poste 4, mais frêle quand même. Voilà. Ça là-dessus, c'est sûr que c'est pas ce qu'il a de plus... Mais tu... hey, Duncan Robinson, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe, tu vois, les Lakers, ils rêveraient de l'avoir. Euh, même Onyx si nous, nous ferait du bien, un mec dans le corner qui met des shoots euh, et, qui en, et qui en demande pas tant, euh, il ferait du bien de partout presque. Hein. J'ai Bastien qui dit T'as vu son contrat Il a 4 ans à 16 millions, c'est alors c'est un vrai contrat. Le problème, c'est que c'est le contrat que les Suns vont proposer à, à Cam Johnson. Donc, forcément, tu ne peux pas avoir les deux. Euh, Est-ce compl... est est que, que est est -ce qu en termes de contrat pourri, on peut faire un échange pour une, euh... Duncan Robinson. Evan Fournier Duncan Robinson. Attends, mais je vais te dire tout de suite. Euh... Duncan suis... Robinson doit être, un... Evan Fournier doit être un peu plus, je pense. Il est -être... Evan Fournier, il est un peu mieux payé. Mais ça ouais. marche. Ça marche si vous voulez jouer. Et clairement, ça n'affecte en aucun cas le winning pourcentage des deux équipes, d'après ESPN. Euh... Moi aussi, je préfère le donner à Cam, hein, Bastien, si tu veux. Hein. Mais bon. Euh... Donc voilà. Donc c'est un échange qui peut se faire hein, côté, côté trade machine. Donc ouais, à l'est on a fait les, les six premiers. À l'ouest donc Denver on a dit pas besoin. Memphis. Memphis clairement ils, ils peuvent, hein, ils peuvent bouger. Ils n'ont pas un roster, un roster hyper fixe. Je pense qu'ils peuvent bouger autour d'un autour Brandon Clark, tu vois, des gars comme ça, des conchards, avec des jeunes. Après le problème c'est que c'est beaucoup de jeunes. Mais, mais je pense qu'ils peuvent C'est que c'est beaucoup de jeunes qui ne prennent, prennent pas de cash, donc c'est compliqué d'envoyer des mecs. Euh... Euh, qui sont, euh, euh, je dirais, un peu sous-payés par rapport à leur valeur, vraiment, euh, et qui, du coup, tu vois, c'est compliqué d'envoyer des mecs qui ne prennent pas beaucoup de cartes pour récupérer des gars euh, euh, talentueux en échange, quoi. Ah, je, suis, je suis assez d'accord. Euh, les Kings, est-ce que tu penses que les Kings vont bouger Je crois pas, si. Non, moi je crois pas non J'sais plus. Pas. Euh, ou alors pour un micro truc, les Kings, il y a tellement une alchimie, là, faut rien toucher, là. faut, ouais. faut serrer les fesses et attendre les, et attendre les playoffs. Euh, les gars, ça fait, ça fait... Je sais plus combien d'années qu'ils qu ont plus fait les playoffs. offs faut, faut... Clairement, pour moi, faut rien toucher à cette équipe. Les Pels, les Pels, pour moi, ça bouge pas non plus. Il euh, y a tellement non, eu de, blessés. Ça le retour de Zion. Exactement, Zion ils veulent voir CJ, Ingram, Zion ensemble. Avec Alvarado euh, à côté, euh, je... euh, Valanchunas, euh, tu vois, je pense que clairement, ils ont leurs 5. Je ne les, les vois pas beaucoup bouger. Euh, ouais. Tac, tac, tac. Euh, les Peds, les Clippers. Les Clippers, ça peut bouger. Hein. Les, Clippers, ça, les Clippers. Ça va, aller, ça va essayer, essayer d'aller chercher un 5, je pense. Les Clippers, ah, ouais, les Clippers ça doit bouger. Ils doivent essayer de bouger. Ils ont trop ils doivent, Il euh, y a un mec qui doit se barrer, là, dans le tas là tu dois avoir un gars entre entre Maurice Luke Kennard Covington euh, qui doit se barrer c'est une obligation est-ce qu'ils vont aller chercher euh... c'est compliqué parce que ça va mieux cette année ils, ils auraient dû aller chercher Mike ouais cette année ça va mieux hein. mais euh... cette année ça va mieux donc je... c'est compliqué pour les Pacers de lâcher Mike maintenant alors que ça va ça va mieux dans les ouais c'est compliqué je regarde un peu euh, alors attends, hop, moi je vais enlever cette équipe là, ok, et je veux à la place mettre les clippers. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Pff, non, là ça peut... Là, je... je regarde dans les équipements un peu pourris qui, qui, qui pourraient être un, un partenaire C'est un, mena... un, un pivot remplaçant que tu vas chercher. Hein. C'est un pivot remplaçant. Tu vas aller chercher le Vouch, tu vas pas aller chercher des... Euh... Mobamba Des pivots... Euh... Mobamba C'est pas mal, Mobamba. Opa. Tu vas récupérer Bamba. Mobamba, c'est 10 millions à Orlando. Orlando, c'est quoi alors 5, t'as Fouls, euh, t'as Banquero, donc un 4, ils n'en ont pas besoin. Ils ont pas besoin d'un 4, tu leur envoies Luke Kennard. Shooting Guard, ils ont qui Ils ont Suggs qui est nul, enfin qui est nul, qui est pas, qui est pas top. Hey, tu sais que Luke Kennard, ça peut leur donner envie. Hein ça peut leur donner envie. Pourquoi pas Mobamba, ils n'en ont pas besoin, ils ont Wendell Carter Jr., et Banquero dans la dans la dans la raquette. Après ils ont Franz Wagner Wagner en shooting forward. Ouais, tu peux tu peux essayer d'aller. Bol aussi non Tu peux aller chez tu... ouais ils ont Bol Bol qui joue beaucoup ouais, qui joue beaucoup donc clairement Mobamba, Mobamba il est plus du tout euh, dans le projet je pense. Hein. C'est Bol Bol qui est passé devant en mode de fusée. Mais euh... pourquoi donc, pas Donc clairement c'est Mob pour moi ils doivent essayer d'aller chercher Mobamba. Après tu te débrouilles tu envoies des pics envoies des t'envoies des, un, des te, un de tes alliés, là. Et euh, tu vois, si par exemple tu mets Luke Kennard, je veux juste voir un peu. Ouais, ça marche. Hein. Ils peuvent... Euh, le Magic, ils peuvent, ils peuvent choper un peu de cap en plus de, du, du contrat de Momba qui est à 10 millions. Donc, euh, why, not, hein. why not Why not Why euh, not Et enfin, et enfin, on a Dallas Qu'est-ce qu'on pense de Dallas, Simon Ça bouge Ça bouge pas Hop ah. Pour moi Dallas ils ont pour moi Dallas ils ont... non ils ont pas le choix ils sont obligés Pour toi ils sont obligés de bouger ils doivent aller choper qu'est-ce qu'ils doivent aller choper pour l'instant un gros ailier porteur de balles qu'est-ce que tu en penses Simon ouais un mec qui peut mais après il y a déjà dit un mec qui en tout cas ouais qui peut ouais mais moi ce que je dis plus il un mec dans l'aile euh... plus un mec dans l'aile tu vois dans l'aile euh, regarde, j'ai mis Dallas, mis Dallas et j'ai mis euh, les Clippers. pour euh, bon, les Clippers. Après, les Clippers, ils peuvent aussi avoir besoin d'un bon meneur de jeu, mais bon, ont... En vrai, Dallas, ils ont quoi à donner Ils vont donner quoi Tim Hardaway Jr. David Bertans. Qui veut David Bertans En fait, c'est un peu, euh, c'est étrange parce que quand tu regardes sur le papier, ils ont besoin de rien en fait. Ils ont un okay, meneur, Dino des Woody, mecs dans le corner David qui shootent. Parfois. Un d Windy pour faire euh, pour faire euh, pour suppléer pour, suppler, euh, pour le, le cadon Doncic des euh, des grands euh, qui, qui peuvent s'écarter et shooter à trois points sur le papier ils ont tout en fait un vrai pivot ça marche pas un vrai pivot et de Dwight Powell ah, je l'aime bien mais... c'est pas mal c'est plus un 4. Enfin, il est il est un peu léger en pivot moi je trouve mais bon après c'est mon avis perso mais, mais euh... Mais oui, oui non, je suis, suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi Dallas. Euh, D'ailleurs Bastien est plutôt d'accord avec nous, il va dire que ça il dit que ça bouge pas. Mais je suis d'accord avec toi, c'est compliqué de dire euh, comment ça va bouger côté côté Dallas. Hein. Pour moi, ils doivent bouger, mais j'ai pas Mais je, ils doivent casser quelque chose que en, fait. Faire, en fait. En fait, ils doivent casser quelque chose. Ouais, Turner, tu vois Bastien, je suis d'accord. Moi, aller choper un Turner, mettre un Christian Wood en potentiellement 4. Par contre, si tu fais ça, faut que moi moi en fait, je serais eux, je me servirais de Weedy pour aller chercher un autre meneur, peut-être plus jeune et pas cher. Et pas cher. T'as cette année 40 ans, Bastien, force à toi. Moi, j'ai 30 cette année. On change de décennie tous les deux. Et euh, ouais, ouais, ouais faut... pour moi, il faut se servir de D&D pour aller, pour, pour, aller euh, pour aller choper quelque chose. Je... Ouais, je crois, je crois qu'en fait, je pense qu'il faut qu'ils arrivent à faire un package de de tout leur externe, là qui qui fonctionne pas tu vois alors euh... ah bah, Nilikina ça dégage tu vois par exemple oui mais qui va qui tu, tu vas récupérer quoi Redjibulok ça non, ma... Il, non mais en... vas-y dis-moi aurais... je pense qu'ils en ont besoin parce que ça marche Bulok c'est un des rares où ça marche donc Oui, euh... ouais je pense ouais non mais je pense qu'il faut c'est ça je pense qu'il faut que tu aies un et un Nilikina Ardawen et et genre un Javal Maggi qui sert à rien de toute façon. Moi je l'aime pas Javal Maggi. Euh, je trouve qu'il est mort. Je trouve qu'il était bon il y a 5 ans et que maintenant il, il vit là-dessus. Et il faut aller récupérer. Euh... faut aller récupérer un meneur remplaçant. Un meneur remplaçant. Et et et, 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 un... et un gros pivot. Et un gros pivot, donc ouais. Euh, Turner, c'est pas mal. Euh... Ricky Rubio qui, qui, qui revient là. Ricky Rubio revient juste. Alors, je sais pas si les Cavs ils vont avoir envie de l'échanger tout de suite, mais ouais, ouais, euh, clairement là, tu rajoutes un Rubio Miles Turner à Dallas. Tu sais que Attends, hop, on va enlever ça. On va aller, ça va être notre dernier trade. On va tenter un trade à trois équipes entre Cleveland. Pacers Dallas. Donc, Dallas ils veulent. On, on part du principe que c'est Dallas qui veut des trucs et qui va euh, faire des trucs pour les récupérer. Dallas ils veulent Miles Turner et ils veulent Ricky Rubio. Bam. Pour ça, donc les Pacers ils perdent Miles Turner. Ok. Euh... Énorme perte pour les Pacers. Ouais, mais qui n'est pas vraiment dans le projet, tu vois. T'as Taïrisa Liberton et Benedict Maturin, Ok. Oui, mais t'as pas un mec euh, qui est clos derrière euh, Milestonner. T'as pas de 5, euh, tu remplaces Meisterner Après, par, euh, après, après tu, tu vises des pics aussi. Tu vises des pics. Euh, mais euh, donc, ça va jouer. Et puis, euh, ils visent au capital euh... okay. <laughs> ok, why not <laughs> ils, ils reçoivent, ils reçoivent Jamal Magui. Comme ça, ils ont, ils ont un peu un pivot, euh, un pivot pour remplacer, au moins en termes de nombre. Euh, côté Cleveland, ça récupère... Ah mais Cleveland, en vrai, ce qu'ils veulent, c'est... Et ils récupèrent... Ka ouais, mais non, j'allais dire le Levert, mais Carice Levert, ils viennent de le récupérer. Le problème, c'est que Cleveland et les Pacers, ils ont déjà bougé entre eux. Euh, donc, tu as Carice Levert, Caris Levert, il ne va jamais revenir à, aux Pacers. C'est mort. Compliqué. Ah putain, c'est dur d'être general manager, hein. je vous le dis. Hein. dis hein. C'est un vrai métier. Hein. C'est un vrai métier. Hein. Euh... Enfin, surtout d'être un general manager où tu dois dire, OK, toutes les équipes veulent être d'accord. C'est quand tu es pour ton équipe, tu dis, Bah moi je veux ça, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu veux en échange de ça. Mais là, 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 quand c'est... Tout le monde doit être content, c'est plus compliqué. Euh... Sûr. Christian Wood, ils vont le garder, c'est sûr. Franck Nilikina déjà Franck Nilikina euh, il va venir il va venir non, ça vaut rien ah, tu sais qu'un pour les Pacers euh, ça vaut rien c'est parce que je suis français moi je trouve que moi je trouve que ça ah, surtout que c'est facile tu appuies sur triangle et ils te font les propositions <laughs> okay. mais euh, ouais c'est compliqué surtout qu'on a dit que Cleveland eux à la base ils voulaient pas bouger pour moi ça veut pas bouger Cleveland donc euh, c'est donc compliqué alors que Miles En vrai, ça échange Miles Turner. Tu donnes Javal McGee, Franck Nelikina, et, et... 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 En SF, ils ont qui Ils ont qui Ils ont Nesmith. Et Tim Hardaway Jr. Ça marche mmh. Et euh, tu rajoutes un pic de, de Dallas en plus, tu vois. Et en vrai, les Pacers, euh, bon, ils ont du nombre, hein, ça, ça fait du nombre, mais. Euh, ils ont Javal Magui pour Why jouer. Not. Et ils ont Tim Mardaoui Jr. qui peut jouer euh, à côté de Benedict Mathurin. Ouais, en vrai, il va pas jouer parce que tu as Mathurin et Buddy Hield en fait. Euh, qui joue déjà, quoi. Le trio, tu as déjà Mathurin, Buddy hild En vrai, ils font leur banc, quoi. Mais dans, euh, dans le projet Pacers, déjà penser au banc, je ne suis pas persuadé. quoi. Ils pensent déjà à leur 5 majeur. Non, mais tu amènes, un, amènes un, gars, euh, un gars expérimenté aussi, parce que tu as beaucoup, beaucoup de jeunesse là-dedans. Donc euh, tu amènes un gars expérimenté pour entourer un peu peut-être euh, les jeunes. Tu vois. Attends, attends allez, on va Mobamba au Pacers, où je suis en train de te faire un autre truc là. Boum, boum, boum. Regarde, tu fais plutôt comme ça. T'envoies Indiana qui, qui envoie Miles Turner à Dallas, Dallas qui envoie Tim Hardaway Jr. Au, au Magic et les Pacers et les Pacers, ils ont Mobamba et Nilikina. Mobamba un un pivot pour le futur et Nilikina un gars pour défendre euh, pour défendre en, en, en sortiment. Bon, putain ça marche pas. Ah voilà putain ça marche pas. <laughs> Allez, le Orlando ils peuvent pas récupérer autant auquel libère plus. <laughs> qu'ils libère plus s'ils veulent. Et je ne vois pas qu'ils peuvent libérer. Bon, voilà, on, on, on finira ce live sur un fail de trade. Hop. Exactement. Voilà, this trade fail. En tout cas, euh, merci pour ce live qui est parti un peu en, en fantasy, euh, en fantasy euh, trade euh, sur la fin. Euh, merci Bastien, merci Gilles d'avoir été là sur le live. Euh, semaine prochaine, j'espère qu'on aura d'autres trades Turner contre Poel et Hardaway. Ouais, ok, mais bon, Poel il joue quand même. Hein. Poel il joue. Merci à vous les gars d'avoir été sur ce live. Euh, on le rappelle pour ceux qui euh, ont regardé le live, parce que je vois qu'on est 5 là en vision directe, qui ont pas parlé, n'hésitez pas à parler dans le dans le en commentaire. Hein. Nous on est là pour pour discuter avec vous avant tout. Euh, ça nous fait très plaisir. On a une chaîne Twitter Clutch Time Prod où euh, vous aurez toutes les infos des lives et un peu les infos aussi qu'on partage au niveau NBA. Euh, la chaîne YouTube euh, qui, vous, qui est aussi en lien sur la page Twitch, vous verrez, où on fait les rediffs de ces lives. Si vous avez loupé le début du live et que vous voulez vous faire la rediff, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube pour voir ça. C'est Gilles dans le chat qui s'occupe des rediffs, donc euh, un grand merci à lui. Et puis je laisse Simon pour finir pour finir ce, ce live comme d'habitude ouais euh, encore désolé pour euh, tous les petits soucis techniques petit euh, fail en en eu début, en début de live, live et pendant le, <laughs> le live petit 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 fail euh, n'hésitez pas à nous proposer des, euh, des on est ouvert à discuter euh, sur n'importe quel sujet euh, en lien euh, avec la NBA et en particulier avec euh, nos Frenchies euh, qui performent peut-être plus ou moins, euh, ça dépend des... des semaines, mais en tout cas on peut en parler, on peut échanger, on peut échanger sur, euh, sur ces, sur ces sujets-là. Euh, on revient euh, mercredi prochain, euh, 19h30, même heure, même endroit. Bonne semaine à tous. Salut les Frenchies